dimanche de carême de l'année C, évangile selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Il est question de deux faits divers, là ce ne sont pas des paraboles, mais deux exemples de faits divers qui viennent de se passer, deux catastrophes. Premièrement, des gens qui ont été massacrés par Pilate alors qu'ils offraient des sacrifices, et deuxièmement, des gens qui ont été écrasés par l'effondrement de la tour de Siloé. En tout, 18 personnes ont été tuées par la chute de la tour. Et Jésus demande à ses disciples et à ceux qui sont là, est-ce que vous croyez que ces gens qui viennent de mourir de manière violente sont plus pécheurs que les autres? Autrement dit, est-ce que la souffrance et les catastrophes, c'est un châtiment de Dieu pour les pécheurs? En ce qui concerne les premiers, voilà ce que Jésus dit. Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres? Bon, là, c'est le mot péché. Et quant à ceux qui ont été écrasés par la tour de Siloé, pensez-vous qu'ils avaient une dette, donc ils méritaient aussi d'être écrasés plus que les autres? Et la réponse du Seigneur, dans les deux cas, il répond exactement la même chose. La seule chose que je vous dis en fonction des événements, devant ces événements qui se passent, convertissez-vous, sinon vous périrez de la même manière, ou de même vous périrez. Le Seigneur ne répond pas directement à la question qu'il leur pose, hein. Simplement il leur dit, non, ils n'étaient pas plus pécheurs. Le problème, ce n'est pas d'être pécheur et d'être écrasé par une tour, le problème c'est de se convertir. Le Seigneur nous demande de nous convertir parce qu'il y a des catastrophes pires que d'être écrasé par une tour ou que d'être massacré par Pilate, et il s'agit de la mort spirituelle. Et ce que le Seigneur vient prêcher, c'est convertissez-vous. La plus grande catastrophe, c'est le péché. Et n'accusez pas ceux qui sont victimes de catastrophes d'être plus pécheurs que les autres. Tout le monde est pécheur, le monde entier est pécheur. La catastrophe, c'est le péché du monde. Voilà. Alors, accuser Dieu de vouloir se venger d'une certaine manière du péché en écrasant les pécheurs, c'est un raisonnement complètement païen. C'est ce que Jésus est en train de vouloir leur faire comprendre. Ça, c'est raisonner de manière païenne, de dire c'est le bon Dieu qui t'a puni, ou qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive telle chose. Ça, ce sont des raisonnements païens de gens qui croient en des dieux qui se vengent, en des dieux qu'ils ont fabriqués à leur image. Il n'en est pas ainsi du Dieu que nous adorons, qui est un Dieu d'amour et qui veut uniquement que nous nous convertissions. Je rappelle ce qui est écrit, le grand texte que tout le monde connaît, je suppose, au livre de la Sagesse, au chapitre 11, au verset 23, où il est écrit, on parle au Seigneur, « Seigneur, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, etc. Et tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi. » Voilà, donc Dieu ne veut pas la mort. Il est un Dieu de vie, un Dieu d'amour, qui veut simplement qu'on se convertisse, qu'on renonce à nos péchés. Parce que le grand drame, c'est le péché. Ou encore, il est écrit au chapitre 18 du livre du prophète Ézéchiel. C'est Dieu qui parle aussi, hein. Ézéchiel 18, 23. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur, non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Et ça recommence au verset 32. Je ne prends pas plaisir à la mort de personne, je ne prends plaisir à la mort de personne, oracle du Seigneur, convertissez-vous et vous vivrez. Et on passe sur le registre de la vie spirituelle. Et c'est pour affirmer en même temps, parce que Jésus le dit en même temps, il n'y a pas de lien direct entre ce qui m'arrive de mal et mon péché. Tout ça, c'est le grand péché du monde, et tout le monde doit se détourner de son péché, quoi qu'il arrive. Je vous rappelle l'histoire de l'aveugle-né. Pareil, où un aveugle-né que Jésus va guérir, c'est dans Saint Jean chapitre 9 au verset 2 et 3.
Jésus voit un homme aveugle de naissance, ses disciples l'interrogent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus dit, ni lui, ni ses parents. Et après, bon, il va le guérir pour que soit manifestée la gloire de Dieu. Ni lui, ni ses parents. Alors, il faut arrêter de penser que Dieu punit. C'est exactement le contraire. Il ne veut pas punir, il veut qu'on se convertisse. Il y a dans Jérémie, bon, je ne le lis pas maintenant parce qu'on ne peut pas tout lire, mais il y a au chapitre 12 de Jérémie, Jérémie qui dit, bah, t'en as de bonnes, hein, parce que tout va bien pour les méchants et les gens gentils, ils n'ont que des catastrophes. Ça n'est pas, on ne doit pas calculer comme ça. On est, tout ça est dominé par un amour de Dieu immense, mystérieux, parce qu'on ne comprend pas trop pourquoi il arrive ça et ça, mais ça, c'est le fondement de notre foi. Relisez l'intégralité du livre de Job. Il n'y avait pas plus pieux, plus observant, plus gentil, plus aimant son prochain que Job. Il lui arrive toutes les catastrophes du monde. Elles ne viennent pas de Dieu, c'est dit dans le texte, elles viennent de Satan. Voilà. Alors, le seul appel, c'est ça. Convertissez-vous, convertissez-vous. Avec le verbe métanoïté, métanoïa en grec, qui veut dire faites demi-tour. Détournez-vous de votre conduite mauvaise pour vous tourner vers le Seigneur. C'est-à-dire, c'est quelque chose de radical. Se convertir, c'est pas simplement faire une profession de foi, etc. C'est se détourner de Satan pour se tourner vers le Seigneur. Et soit on doit le faire beaucoup, très souvent, en particulier pendant le temps de carême. Il faut voir de quoi on doit se détourner pour se tourner vers le Seigneur. C'est ce qui s'est passé au jour de notre baptême, concrètement ou pas, hein. Le baptême nous a fait nous détourner de Satan pour nous tourner vers le Seigneur. Comme le dit saint Ambroise, hein, une fois entré dans le sanctuaire afin de reconnaître ton adversaire à qui publiquement tu as décidé de renoncer, tu t'es tourné vers la lumière de l'Orient. Car celui qui a renoncé au diable se tourne vers le Christ et le regarde fixement. C'est ça la conversion, se détourner de Satan et se tourner vers le Christ et le regarder fixement. Voilà, ça c'est un bon programme pour le temps de carême. Ensuite, vous avez exceptionnellement, enfin exceptionnellement, donc je reviendrai tout à l'heure à la première lecture, mais il y a la deuxième partie du texte ici où il est question du figuier stérile. Et là, l'enseignement, c'est sur la patience, l'infinie patience de Dieu. Le figuier qui ne donne pas de fruits, le vigneron dit, bon, ben ça suffit comme ça, il ne donne pas de fruits, je vais le couper. Et puis, l'ouvrier qui travaille la vigne dit, Seigneur, laisse-le encore cette année, peut-être qu'il va donner du fruit, s'il n'en donne pas, et ben à ce moment-là, coupe-le. Donc, l'infinie patience de Dieu qui attend jusqu'au jugement dernier, hein, le figuier coupé, c'est le jugement dernier. Quand on arrive au terme, si on a choisi définitivement le mal, ben voilà, on a choisi définitivement le mal. Mais en attendant, Dieu est d'une patience infinie. Je vais vous parler maintenant de la deuxième partie de l'évangile, qui est le figuier stérile, et qui est là, et qui est une illustration de la patience de Dieu. De même que l'histoire de Siloé et de ceux qui ont été tués par Pilate, ça voulait dire non, ils ne sont pas plus méchants que les autres. Dieu veut que vous vous convertissiez et c'est pas lui qui envoie les catastrophes, premièrement. Deuxièmement, ici, c'est Dieu est infiniment patient et il attend avec infiniment de patience qu'on se convertisse. Alors, il y a un vigneron et puis celui qui a planté la vigne, ou plutôt qui a planté un figuier dans une vigne. Et ce figuier ne donne pas de fruits. Et celui qui a planté le figuier dans sa vigne dit, bon, ben, il sert à rien, il épuise la terre, je le coupe. Et le vigneron répond, non, Seigneur, patience, patience, patience. Et ce vigneron, alors qui est celui qui a planté la vigne, qui est le vigneron, en tout cas le vigneron, hein, celui qui défend le figuier, qui implore pour la patience de Dieu, c'est au moins deux choses. Hein. Plein au moins de réalité. Vous avez la communion des saints, la prière des saints qui implore la patience de Dieu, et puis vous avez le Seigneur Jésus qui lui ne cesse d'implorer pour qu'on ne soit pas coupé et qu'on tienne et qu'on se convertisse. Je vous lis Saint Augustin. Le cultivateur qui intercède, c'est toute âme sainte
qui, dans le sein de l'Église, prie pour ceux qui sont hors de l'Église en disant à Dieu, Seigneur, laisse-le encore cette année, c'est-à-dire dans ce temps de grâce, jusqu'à ce que je creuse autour. Creuser autour, c'est enseigner l'humilité et la patience, car une terre creusée est déprimée. Le fumier, hein, parce qu'il dit je vais travailler autour du figuier pour lui faire donner du fruit, patience, alors je vais creuser autour, je vais mettre du fumier, etc. Le fumier du cultivateur, c'est la douleur du pécheur. Ceux qui font pénitence paraissent sous des dehors négligés et agissent en cela selon la vérité. Voilà. Donc la communion des saints permet que le figuier ne soit pas immédiatement coupé, mais qu'on prenne son temps pour lui faire donner du fruit pour le Seigneur. Et puis vous avez, je vais lire quelques textes justement sur l'infinie patience de Dieu dans le Nouveau Testament. Vous avez dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, verset 4, où il est dit ceci, « Méprises-tu les trésors de bonté, de longanimité et de patience du Seigneur en refusant de reconnaître que cette bonté de Dieu te pousse à la conversion ?» Ça, c'est Romains 2, 4. Vous avez encore dans la deuxième lettre de Saint-Pierre, chapitre 2, chapitre 3, verset 9, pardon, 2 Pierre 3, 9, où il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. » Donc, comme la première partie du texte, il s'agit de conversion, mais là, c'est la patience infinie de Dieu. Et puis finalement, hein, celui qui permet au figuier de tenir jusqu'à la fin et finalement de donner du fruit au nom du Seigneur, c'est l'intercession du grand prêtre que nous avons et qui s'appelle le Seigneur Jésus, le bien-aimé. Hébreux 7, 25. C'est pourquoi Jésus, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Toujours vivant pour intercéder à notre faveur jusqu'au jour de notre mort. Pour ça que le figuier tient bon et qu'il ne va pas être arraché, parce que le but, c'est la conversion des pécheurs pour qu'ils entrent dans la joie éternelle avec le Seigneur. Bon, ces deux textes sont un peu, comment on va dire, un peu rudes, semble-t-il, hein. Et ils sont éclairés, je pense, par la première lecture. La première lecture, qui est très longue, et moi je vais en prendre une toute petite partie, qui est le chapitre 3 de l'Exode, l'épisode bien connu du buisson ardent, où Dieu va apparaître à Moïse, dit le texte, où l'ange du Seigneur, mais c'est le Seigneur, apparaît à Moïse dans la flamme d'un buisson. Et puis ensuite, il parle à Moïse du milieu du buisson. Alors, ça, c'est une réponse à toutes les souffrances, au livre de Job, à tout ce qu'on peut, toutes les souffrances du monde jusqu'à aujourd'hui. Où est le Seigneur quand on est en train de souffrir, quand tout va mal, dans les drames les plus terribles? Où est le Seigneur? Au milieu du buisson. Ce buisson, c'est un buisson d'épines, nous dit la tradition juive. Le peuple est esclave en Égypte, il souffre, et le buisson d'épines représente la souffrance du peuple qui est en Égypte. L'esclavage égyptien est comme le buisson le plus épineux des arbres, un volatile qui s'y fourvoirait n'en sortirait pas indemne. Or, le Seigneur vient habiter au milieu des épines et au milieu des ronces. C'est précisé deux fois. Quand on souffre, le Seigneur est avec nous et c'est ça la réponse. Il nous aide à vivre la souffrance, il la vit complètement avec nous et même il la porte sur nous, nous dira un autre texte du prophète Isaïe. À propos justement du Seigneur qui descend, parce que dans ce même chapitre 3, vous allez trouver ce verset étonnant dans l'Exode 3, qui est la première lecture. Le Seigneur dit « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses cris, je connais ses souffrances. » Ça veut dire amoureusement, il se rapproche de ceux qui souffrent. « Je connais ses souffrances et ensuite, je suis descendu pour le délivrer et le faire monter. » Ça, c'est tout le mouvement de l'incarnation du Seigneur. Il descend au cœur de nos souffrances
pour nous en faire sortir. C'était déjà annoncé par deux très beaux passages du prophète Isaïe. Je vais commencer par Isaïe 63, 9, où il est écrit dans toute leur détresse, hein, il fut pour eux un sauveur dans leur détresse. Ce n'est ni un messager ni un ange, mais sa face, mais son visage qui les a sauvés. Dans son amour et sa compassion, lui-même les racheta, il s'est chargé d'eux et les a portés. Voilà. Alors la traduction juive est absolument superbe là. Il n'y a pas écrit ce n'est ni un ange ni un messager, mais sa face qui les sauva. Il y a écrit que dans tout leur malheur, lui-même était dans le malheur. Sa face, lui-même était dans le malheur. Dans tous nos malheurs, où est le Seigneur? Lui-même est dans le malheur. Ou encore, dans toute leur détresse, nous dit notre traduction juive, hein, dans toute leur détresse, à lui la détresse. Voilà, c'est ça la réponse à toutes les souffrances et à tout le mal du monde. Et je termine avec le chapitre 53 d'Isaïe qu'on va entendre pendant la semaine sainte. On est en train de se préparer à vivre ce mystère de Dieu qui porte sur lui toutes nos souffrances, hein. Comme il était écrit, hein, Isaïe, Dieu fait homme en Jésus, Isaïe 53, 4 et 5, où il est écrit ceci, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Sœur Claire, merci.